Hello everyone! Like every year, this year, we also had an Inside Ears convention. But this time, it was online, due to the current virus problems, you know what I mean. We didn't get to go to Disneyland Paris, so we had to stay at home, and Disneyland Paris brought us the news, and a special video they made for us. So we had the news, and yeah, there were several surprises I didn't know about. So in this video, I will talk to you about what's going to happen. And I will also show you the special videos Disneyland Paris made for us. They have made some small reportages so that you can see, small reports so that you can see what's happening in the resorts. They gave us permission to use the videos in our videos to show you what's happening. So otherwise, we would be filming it ourselves. I'd rather be doing that, but yeah, you know how it is at the moment. The park has been closed since November again, and that until February the 13th next year. Let's hope everything goes well. So as I told you, during the convention, we got to know some stuff. And the first thing that surprised me, yes and no, I saw it coming. Disneyland Paris already has the best castle of all the Disney parks, and it's getting even better. Je m'appelle Tracy Eck, je suis la directrice artistique pour le parc Disneyland. Le château de la Belle au Bois Dormant, qui est l'icône du parc, tout le monde reconnaît, on voit une photo, tout de suite on sait où on est. C'est la première fois depuis l'ouverture qu'on fait une réhabilitation de cette envergure de notre château. Et on veut qu'il soit vraiment parfait pour le 30e anniversaire. Le chantier a démarré en janvier. On est sur les starting blocks. Ça fait 2 ans qu'on le prépare. On va travailler avec les meilleurs artisans de France. Pour les toits, par exemple, nous travaillons avec des artisans qui travaillent également sur les monuments historiques, tels Notre-Dame de Paris. Et on reconstruit entièrement hors site certains tours. Et on va les emmener avec une grue, enlever l'ancienne et mettre la nouvelle tour en place. C'est un peu la même méthode qu'on a utilisée lorsqu'on a construit le château en 1990. Nous, dans notre équipe de Imagineers, on veille sur l'esthétique, donc les couleurs qu'il faut. On regarde tous les plans pour être sûr que tout est parfait. Après, on a un très grand suivi sur le chantier. On va accompagner toutes les équipes de construction, tous les peintres. On travaille très étroitement avec eux pour qu'on les accompagne et qu'on a le résultat digne de notre icône du parc. On va pouvoir quand même traverser le château. Il ne sera pas entièrement fermé. On pourra aller dans les boutiques. Le passage sera très fluide. Il va être entièrement couvert d'une bâche pour laquelle on a dessiné une thématique qui représente le château. Parce que c'est qu'on est très très conscient de l'importance du château et on s'assure que nos invités, quand ils arrivent et ils prennent leurs photos dans le parc, ils ont l'image du château derrière. Okay guys, I hope you enjoyed the video about the castle refurbishment. I'm really looking forward to it. It should be ready for the 30th anniversary, they said. So let's hope everything goes well next year. Another news item was some stuff that already should have been open at Disneyland Paris. There hasn't been anything about Avengers Campus or the expansion Frozen Land and Star Wars Land. We already know they are still working hard on that. So they didn't talk about that, but what they did talk about is the Cars 66 attraction that replaces the Studio Tron Tour. That already should have been opened this year, also because of the parks that were closed. It didn't open and it should open next year.
Hi, I'm Tom Fitzgerald from Walt Disney Imagineering, and today I'm excited to unveil a little bit about our re-themed tram attraction at the Walt Disney Studios at Disneyland Paris. We know that our guests love the Cars movies, the Cars characters, and now when you reboard the tram, you'll be traveling along Route 66 to see some of the wacky roadside attractions that have made the Mother Road so famous. And you'll be doing it with some of your favorite Cars characters. We've been working very closely with our colleagues at Pixar, as well as some of the artisans that are nearby Disneyland Paris or just a stone's throw away, to transform the tram experience. And of course, Catastrophe Canyon, which is one of the highlights of the tram tour, is going to be rethemed to find itself in the world of Cars. This is all part of the transformation of the Walt Disney Studios, and we're excited to have you step on board the tram and travel down Route 66 next year. And I hope you enjoyed the video about the Car 66 attractions. They didn't give an opening date yet, but let's hope that will be somewhere around the summer or before summer next year, if it all goes well, of course. They also talked about the hotel Art of Marvel, the Hotel New York, that has been transformed. Et me voilà au Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, pour une surprise exclusive, puisque nous allons à la rencontre de deux imaginaires qui vont nous donner un aperçu inédit de l'hôtel. Let's go! Vous êtes imaginaire ici à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle en tant qu'imaginaire et quel est votre rôle sur ces projets colossaux? Je m'appelle Sylvie Massara et je suis directeur artistique pour les hôtels à Disneyland Paris. Et moi, je fais partie de l'équipe de concepteurs scénographes. On s'occupe du suivi de la production et du chantier du Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment nos visiteurs vont être plongés dans l'univers Marvel ici? Dans le lobby, c'est un parfait exemple de ce mélange. Donc, Hôtel New York, d'abord, dans le nom de l'hôtel. Pourquoi? Puisqu'on reprend la verticalité comme dans les gratte-ciels de New York. Que ce soit l'extérieur, on a rajouté des lignes rouges lumineuses, mais également à l'intérieur avec ces colonnes en verticale, alors qu'avant, on était en horizontalité dans cet espace. The Art of Marvel, c'est plus de 300 œuvres d'art qui vont être exposées partout dans l'hôtel, des lieux publics, jusqu'aux chambres, aux suites, aux restaurants. Donc 300 œuvres d'art qui ont été créées par 95 artistes. Une cinquantaine d'œuvres d'art ont été créées d'ailleurs spécialement pour l'hôtel. Si je prends par exemple la première œuvre d'art que les visiteurs vont découvrir lorsqu'ils vont rentrer dans le lobby, ce sera une immense bande dessinée rétro-éclairée. Donc Diona, si tu regardes derrière toi, il y a une énorme vitrine et c'est à l'intérieur de celle-ci que prend bon place trois armures taille réelle de Iron Man, la Mark II, il y aura également la Mark 21 et en pièce centrale, il y aura l'armure Mark 45B. Manhattan Restaurant, ça évoque la ville de Manhattan. Et donc c'est ce qui m'a inspiré pour cette sculpture lumineuse. C'est à la fois Manhattan à l'envers, d'une façon abstraite, la ville de Manhattan et également la ville d'Asgard, par ses matières, ce métal qui est dedans, ses coloris. Et en fait, ils ont été créés spécialement, chaque élément, avec une inclusion de métal. Le Downtown Restaurant, c'est un restaurant du centre-ville, comme un deli. En fait, l'inspiration, c'est un deli. Au mur, on a normalement des caricatures de stars. Et là, au lieu d'avoir des caricatures de stars, on va avoir à nouveau des sketchs de designers de Marvel. C'est le restaurant, ou d'ailleurs l'endroit dans l'hôtel, où il y aura le plus d'œuvres d'art qui seront exposées au mètre carré. La ligne directrice, c'est de représenter la diversité de styles, même si on est sur un principe de crayonné en noir et blanc, il y a tout plein de styles différents, et la diversité de personnages représentés.
Alors, Sophie, nous sommes dans l'endroit qui va être le Skyline Bar. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as dû repenser le design de cet endroit et est-ce que tu as peut-être rencontré certains challenges? Le thème de ce bar est en fait évoqué par son nom, le Skyline Bar. Donc, on est en haut d'une tour de Manhattan. Derrière le bar, on voit un panorama. C'est un panorama qui représente bien évidemment la ville de New York, avec comme pièce majeure le Avengers Quarter. Le Skyline Bar a été reconstitué en 3D pour être utilisé dans un système de réalité virtuelle par nos collègues Imagineers à Glendale, de manière à ce qu'ils puissent étudier et trouver la prise de vue qui sera projetée sur ces écrans, une prise de vue qui soit le plus réaliste possible par rapport au positionnement du bar dans l'espace et surtout une prise de vue qui ne donne pas le vertige. Sylvie, Tom, ça y est, je suis prêt à prendre le métro. J'adore, je suis fan. Alors, on y où? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, comme son nom l'indique, Metropool, ça se passe à New York, au métro new-yorkais. Donc, on retrouve au sol les quais avec les marques grises qui démarquent un petit peu les zones. Au mur, le carrelage métro et les fameuses petites mosaïques avec tous les stations de métro où les héros auraient pu prendre le métro à New York. Vous avez pu voir aussi également l'entrée entre les deux vestiaires où il y a un couloir où il y a une structure métal qui donne l'impression également d'être dans le métro de New York et qui donne sur cette grande fenêtre qui sera occultée comme si on rentrait dans le tunnel du métro. D'accord. Oui, allez-y. Notre visite touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup à Sylvie et à Thomas pour leur accueil. Rendez-vous en 2021 pour continuer cette aventure épique. En tout cas, moi, je sais où je vais dormir la prochaine fois à Disneyland Paris. À très bientôt. Also next year we have some extra special and exclusive merchandise coming. Now also we're going back to the studios with Giona and he will show you together with the merchandise crew. Hey, bonsoir Hélène. Hey, bonsoir Jenna. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ben très bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi, je suis ravie de te voir. Ah, est-ce que tu es en train de faire tes cadeaux pour Noël? Non, pas vraiment. En fait, je suis en train de te préparer une petite surprise. Ah, j'aime bien les surprises. Ouais. Oui, en fait, je t'ai préparé des paquets cadeaux. Oui. Et à l'intérieur, c'est pour te faire découvrir les produits de 2021. Eh bien, j'ai hâte de découvrir ça alors. Et est-ce que... Salut Jenna, mais comment t'as fait pour arriver déjà aussi vite? Ah bah Étienne, ça c'est la magie de Disney. Alors, pour t'aider oui. à trouver les boîtes, d'accord. Je vais te donner des indices. Ok, je suis prêt. Tu es prêt? Je suis une boîte ronde, oui. noire, avec une étoile sur le dessus. C'est celle-là alors? Bingo! Je peux? Vas-y. Alors, je vois Space Mountain. Je pense que tu as raison, alors je te laisse ouvrir, vas-y. Ah, une clé! Exactement, donc c'est bien une clé en commémoration en fait, des 25 ans de l'attraction Space Mountain qu'on a fêté cette année dans sa version originale de la Terre à la Lune. Et du coup, on a développé cette toute nouvelle clé. Et si on reste toujours sur Space Mountain, et ça c'est quelque chose qui va beaucoup plaire à nos fans Disney notamment, on va sortir un tout nouveau livre du même type que Phantom Manor ou sur Pirates of the Caribbean qui sortira prochainement également. Ah, ça va cartonner, c'est sûr et certain. Alors, Hélène. Alors, est-ce que tu sais encore jouer? Oui. Alors, la deuxième boîte. Mm-hmm. Je suis ovale. Oui. Je suis blanche et j'ai un nœud rouge et or. Juste devant moi, du coup. Oui. Et qu'est-ce que nous avons? Je vois une lanière et un pins. De 2021. Alors là, je pense qu'on va ravir tous nos fans de pin trading à Disneyland Paris. Donc, comme tu le sais, chaque année, on développe des nouvelles gammes de produits en fait sur chaque année. En tout cas, moi, j'ai très hâte d'arriver à 2021. Je sais pas toi. Ah oui, moi regarde, aussi. Je suis déjà prêt. Ah, j'ai mon petit pin. Et Hélène, pareil, déjà prête. Prêt, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Celui-là, vraiment, il est très attendu. Pas. D'accord. D'accord. Ok. Je suis rouge. Oui. Je suis rectangulaire. Ok. Je me trouve sous un cadeau. Ah bah alors du coup c'est celle-là alors, oui. C'est ça? C'est celui-là. Alors... J'ai hâte de découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, ça y est! Tu as compris.
Disney Hotel New York, The Art of Marvel. Quand notre hôtel va ouvrir très prochainement, on aura toute une gamme de produits qui vont arriver dans notre nouvelle boutique, à l'image de cette lanière par exemple. Donc ici, c'est un cadre photo aimanté, donc toujours aux couleurs de l'hôtel, Disney Hotel New York, The Art of Marvel. Donc ici, on va ravir tous nos fans de produits pour la maison, donc avec une toute nouvelle mug en fait qui reprend le logo de l'hôtel et avec des artworks des personnages juste à l'arrière. Alors du coup, là, on arrive dans les produits vraiment, comme nous, on les appelle les produits collector. Donc là, on est sur une création exclusive Disneyland Paris, donc qui a été réalisée chez nous par nos artistes. Et donc, on est vraiment sur un design très Marvel, en fait, finalement. Alors là, on est très fiers de celui-ci, en fait, parce qu'à nouveau, c'est une création spéciale de chez nous. Et en fait, quand tu rentreras dans le lobby de l'hôtel, tu auras les armures d'Iron Man, différentes armures dans leur grandeur réelle, en taille humaine. Et en fait, ici, on a fait des reproductions en fait, de ces armures que les fans pourront remporter chez eux, en fait, à l'identique quasiment, si ce n'est la taille, évidemment, mais qu'ils pourront remporter chez eux en guise de souvenir. J'adore, merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir de voir tous les produits qui arriveront en 2021. Et pas seulement nos visiteurs, mais aussi nos cast members et nos fans vont apprécier cet aperçu. Nous aussi, nous avons hâte. Merci beaucoup. Et si tu me permets, je voudrais, au nom de l'équipe Merchandise, souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à tous nos casts et à tous nos fans. So guys, I hope you were excited about all these new merchandise that will be for sale next year if all goes well. And that's not all. We stay in the studios now. Also, an attraction, a renewed attraction that should be open. That's the new Disney Junior Dream Factory. That should be unveiled very soon. It should be there when the park reopens. So let's hope that will be very soon. And it looks very nice. You have maybe seen some art, some concept art. A few weeks ago or a few months ago, during the media expo of Disneyland Paris. So now we get the chance to have a look on stage of the new Studio D. So I hope you enjoy this video. Let's have a look. Bonjour Claire et Paul, comment allez-vous? Mais bonjour Diona, on va très très bien, nous sommes vraiment très contents de t'accueillir dans ce théâtre aujourd'hui. Bah, merci beaucoup pour votre invitation, je suis vraiment ravi d'être là et avoir cet aperçu. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter et nous expliquer quel est votre rôle à Disneyland Paris et sur ce projet? Alors, donc moi, je suis Claire Salmon, je suis producteur déléguée au sein de la division spectacle. Et pour résumer, mon travail consiste à essayer de mettre en réalité, de devenir concret, les idées que notre metteur en scène a dans la tête. Donc, que ce soit le metteur en scène ou le set designer, ils arrivent avec un dessin, des idées. Et moi, mon métier, c'est de faire en sorte de travailler en équipe de manière à réaliser ce qu'ils ont dans la tête. My name is Paul Chakota. I'm the show director for this particular show. My role is to come up with the concept for the show. How do our characters interact with our performers? How do our performers and characters interact with our guests? What is our story that we're telling? That's my job here. My main role is to work with Claire and the amazing team to put it all to life. Absolutely. So the concept for the show actually came from listening to the music of the Disney Junior franchise brands. So in listening to that, there was a common thread of dreams. And so the idea for dreams and the dream factory of Disney Junior came to life. So the concept for our show, we start off with our guests coming into this fantastic venue. They're welcomed by the moving mechanics and the kinetic energy of a factory. As our factory crew come out and welcome our guests, suddenly something goes wrong. And we don't know what it is, but frantically, our factory crew call for some help. And who are the experts in dreams but Mickey and Minnie? So Mickey and Minnie arrive and they determine that actually someone in the factory isn't dreaming. And without those dreams, we can't power the factory to make the magic for the world. So Mickey and Minnie enlist some help from some very special Disney Junior friends, Fancy Nancy, Vampirina, and Timon from the Lion Guard series. And through a series of song and dance production numbers, along with our factory crew, we realize our dreams can come to life as long as you believe. And so that's where the actual concept came from, was from the music from these fantastic Disney Junior characters. This is where our dream orbs actually come from, a far off backstage area where they come out here for us and our factory crew to actually go out and grab dreams from our guests.
We bring it back to the factory and we put it into the center console, which is actually behind you, Johnny, if you'd like to see that too. I would love to see that. You wanna, how about we move over here? Sure. I can show you. You can stand up here. I'm going to stand down here. So here, this is the center control panel. Uh-huh. So once we have those dreams collected, where Claire was with our dream worms, our factory crew bring it back here. We put it into the central processor. Okay. And from here, our factory headmistress, Miss Mallet, she operates the factory and everything behind you with this particular console. The dreams get put into here. We watch the whole thing process, and the magic begins to happen way up in the atmosphere. Well, I'm not a pro, so I'm not going to touch anything. I don't want to break the factory already. Just in case, yeah, I would say let's not touch anything because Miss Mallet is very particular about her factory. I can imagine. And you know what? I mentioned while we're talking about things in fantastic spaces on the stage, our Disney Junior characters are brought in a very magical way. While Mickey and Minnie are up here creating magic of their own in the center console, our Disney Junior friends are brought and transported in this fantastic device over here. So can I travel back into time with this? Well, not exactly, okay. But we can bring a variety of our Disney friends here to help our factory crew out in realizing their dreams along with our audience. So this is our magic teleporter. This is what makes the magic happen to bring Fancy Nancy, Vampirina, and Timon into our factory. And that's where we get the magic to help our factory crew realize their dreams. I won't touch it then. Yeah, I think it's safe that we don't play with the teleporter. Okay, yeah, that's good. Good. Yeah. Hey, Claire. Jonah, je voudrais t'inviter à venir faire le toboggan avec moi. Est-ce que tu y es? Si je peux, j'adore, oui. Après vous. Merci. Well, here's the magic. This is super fun. Can I do this every day? Vraiment ravi d'avoir été avec vous là. Écoute, nous on était très contents de t'accueillir, mais c'est pas fini, on a encore une petite surprise pour toi. Ta-da! Hey Minnie, hey Mickey! So talk about magical transformations. Here are Mickey and Minnie in their brand new Disney Junior Dream Factory costumes. With Minnie, Minnie's got all her fun, fantastic things too, but you know, Mickey's got some fun, fantastic things as well. He's got a brand new hat on. Everything's got rivets and gears and nuts and bolts. And that fantastic belt that he has there. And don't forget the pocket watch. You can't forget a really good pocket watch. I love pocket watch. Yeah, especially in the 40s, it was all about the pocket watch. Sure. Now you see, I'm gonna say this one quick thing. You see on their tool belts, mm-hmm. they have these special keys. Well, they are the dream experts, and these special keys play a very big role in the show. And you can see that they're 40s inspired here. We've got some great gear motif going on here. It's all sewn on, it's stitched. Minnie, can you do a quick little twirl for us? Wow. And it's all the way around, just like that. So we've got little touches even in our bow. You see, we've got the gears in our bow, all bringing us back to the factory itself. Encore un grand merci pour votre accueil et j'ai vraiment hâte de commencer à rêver avec vous. Ben écoute, Diona, merci à toi d'avoir passé du temps avec nous dans ce nouveau théâtre et nous sommes vraiment maintenant impatients de pouvoir dévoiler ce tout nouveau spectacle. Merci Diona, we can't wait to welcome you and our guests. See you guys soon. Also, I hope you enjoyed this sneak peek of Studio D that should also be opening in 2021. So you see, guys, lots of stuff going on. And now, last but not least, you know that it's already been a long time since Buzz Lightyear is closed. You maybe have seen it in our videos or in other videos. It's behind construction walls because there were and there are still big work going on this attraction. The complete roof is redone. All the paintworks, the paint jobs inside the attraction are redone to bring more, to boost the colors more than they were before. Everything has been refreshed. And Disneyland Paris was very kind to provide us with some information of what's going on now backstage before it also will reopen next year. So guys, we have lots looking forward to if the parks reopen next year. Let's hope everything goes like planned.
So let's now, for the last video of this news video, have a look backstage at Buzz Lightyear. Have fun. Nous nous trouvons aujourd'hui dans l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast, qui est en réhabilitation depuis maintenant un an et qui devrait réouvrir au mois de février cette année. C'est une attraction qui a du vécu et il était nécessaire de refaire un travail de fond, aussi bien dans les décors qu'au niveau des personnages. Cette réhabilitation se fait avec deux équipes différentes. D'une partie, la maintenance à l'intérieur et d'autre partie, le pôle construction sur la partie extérieure. La majeure partie de la réhabilitation s'est portée sur tout ce qui était effets spéciaux et éclairage. On est passé de néon haute tension sur tout ce qui est soubassement de façade à des rubans LED. On a conservé la première technologie qui a été mise en place sur cette attraction avec des néons spécifiques, avec un décor du plus bel effet. Cette attraction a la particularité d'être un dark ride éclairé en lumière qu'on appelle la lumière blacklight, qui est en réalité de la lumière ultraviolette. Pour ma part, il a fallu identifier les zones à restaurer suite au changement des éclairages blacklight qui ont eu lieu dans toutes les scènes. Il s'agit de repeindre tous les décors et les personnages pour retrouver l'éclat d'origine et avoir un résultat de couleur très flashy et assez atypique. Les peintres ont vraiment été dans le détail sur ce qu'il y avait à reprendre. On a vraiment une grosse valeur artistique retrouvée sur l'attraction et pour l'expérience. Les équipes de Walt Disney Imagineering n'interviennent pas seulement sur l'éclairage, les finitions de figures et de peinture générale dans l'attraction, mais aussi les éléments d'animation. On a travaillé sur une quarantaine d'animation, plus ou moins complexe après. Là, ça a vraiment été un gros travail. Là, je suis en train de vérifier chaque fonction du robot. Le mouvement doit être assez souple, pas saccadé. Le visiteur tire sur des cibles, comme je tire sur cette scène-là, et ça fait une scène en fin de compte. Le petit dragon qui fonctionne. Je suis un vrai ranger dans l'espace, mais je suis pas un bon tireur. Cette scène, c'est la scène de la bataille. Et l'interaction entre Zorg et Buzz est très importante. Et là, ça vient avec les réglages des figures, avec l'éclairage, et avec aussi le blacklight et les effets spéciaux que l'on voit. Pour moi, ce qui s'est vraiment passé ici, c'est qu'on a une grosse, grosse valeur artistique qui a été ajoutée pour celui qui sait le voir, justement. La scène du slime, je la trouve vraiment impressionnante parce qu'elle est pleine de couleurs, elle est grande. Et il y a aussi une scène, la scène finale avec tous les aliens au niveau de la fresque qui a été retravaillée complètement avec des dégradés, un travail de profondeur qui a été fait. Cette scène a pris de la dimension et le résultat est vraiment impressionnant. C'est magnifique. That was the video about Buzz Lightyear. I hope you enjoyed this big and long news flash this time. So I hope to see everyone back again in Disneyland Paris in 2021. And let's hope we can all ride these new attractions and these refurbished attractions very soon. I'm looking forward to see you guys also again in the parks. I hope you enjoyed the video. If you haven't, it's time to subscribe and please click the bell icon. And thanks for watching. Bye bye.